Fier de ton compteur de mort, très bien. Allez, c'est parti, c'est le dernier chapitre que j'ai fait du coup et la phase B je l'avais pas faite. Et j'ai voulu aller un peu trop en avant. J'ai refait la même erreur. Ah là, ça va beaucoup mieux quand on va doucement. Si on explore par là, est-ce qu'il y a un truc? Il y a une fraise ici. Ah oui, mais j'ai toujours aucune idée de comment la trouver. Ah si. Se trouve que j'ai une idée de comment l'atteindre, mais pas de comment la garder. Enfin, pas de comment rester en vie après. Ah bah si. Et celle-là était un peu tricky, hein. Voilà, hop. Quel... bah on va pas continuer par là, on peut pas. On va juste ouvrir la porte avec la clé. Alors, oula. Ok, c'est un peu flippant. Bienvenue. Puis-je vous aider? Êtes-vous un fantôme, non? Un fantôme? Vous plaisantez? Je suis le gardien de cet excellent établissement. Bienvenue à l'hôtel Station Céleste, connu dans le monde entier. Monsieur Oshio, à votre service. De qui en un jour, les affaires reprennent enfin. Combien de temps resterez-vous avec nous? Oh, je ne fais que passer. Je gravis la montagne. Vous avez une sortie de secours? Une sortie de secours? Elle ne fait que passer? Ça ne va pas être bon. Vous savez que je vous entends, n'est-ce pas? En tout cas, notre porte de service de derrière est réservée au personnel de l'hôtel. Et notre suite présidentielle du dernier étage offre une vue imprenable sur un pic. Vous y serez très confortablement installé. De là, je pourrais peut-être accéder au toit et descendre par derrière, non? La suite présidentielle. Merveilleuse idée, Ushio. Je dois vous enregistrer. Quel est votre nom? Je m'appelle Madine. Et je répète, je n'ai pas du tout l'intention de rester. C'est pas ici, mademoiselle Madine. Allez, c'est parti. Oh. D'accord, les pages sont animées. Il manque beaucoup. Les commentaires sont élogieux. Je ne pire jamais notre séjour. Ah, en fait, il a effacé tous les commentaires négatifs, je parie. C'est quoi l'état de cet hôtel? Oh, c'est un poil de la galère son hôtel. Ok. Ok. Je vais peut-être baisser le son un petit peu de mon côté, moi. Ok, je pensais que ça descendrait plus vite, c'est pour ça que... Faut que j'aille chercher la clé ici, yes. Ah oui, ici je peux y passer qu'une fois parce qu'après il y a ces trucs qui poussent. Je suis pas été assez loin. Rip. Est-ce que je pourrais pas? Si, je peux juste faire ça en fait. Voilà, beaucoup plus simple. Veuillez me suivre, mademoiselle Madine. L'ascenseur est au bout du couloir.
L'hôtel est plutôt dans cet état. Il est vraiment ouvert aux clients? Bien sûr qu'il est ouvert! L'hôtel Station CS ne fermera jamais pendant la pleine saison touristique. Ça éteint? Qu'est-ce que je veux dire? Oh, laissez-moi prendre votre valise. Un sac? Non, je vais les garder. Très bien. Quel drôle de cliente. On avance. Bon, il était faisable sans dash, du coup pour cette fraise, mais tant pis. Je sais même pas si c'est de l'annexe ça ou pas. Oups. J'ai glissé. Ok. Ah oui, bah oui, je peux pas y rester super longtemps en plus. Oh, sérieusement. Ça peut agaire ce truc. Par un peu, je veux dire totalement. Okay, j'ai réussi avec une stratégie un peu bizarre, mais j'ai réussi. C'est ce qui compte, non? Et je veux savoir ce qu'il y a par là. Ah, ici, on peut descendre. Bizarre comme coin. Ok, il y a une fraise. Wow, j'ai pas été assez loin avant de grimper en fait. J'ai 3 du monde pour grimper. Juste grimper comme ceci. Et voilà. Tant pis pour cette fraise là. Quel peu la guerre ce truc. Et on a hacké. Parfait. Ouais, mais non. Et pas que j'utilise le dash en fait. Continuez à me suivre de près, mademoiselle Madine. Je tiens à un établissement de classe internationale. Je n'ai pas de temps à perdre avec Ekyo Kurbin. Ne m'attendez pas, je cherche juste un moyen de franchir cet endroit. Shiro et Spacio, Akio est toujours roi. Les affaires reprennent en fait du père et mère. Oh, bien sûr, mademoiselle, madame. Mais ça, sans excuse, je n'aurais pas dû dire ça. Je vous en prie. Prenez-vous donc à votre gré. Oh. Faut qu'on attaque pour lui parler déjà. Mon dieu, quel dédale. Ce désordre est devenu incontrôlable. Quand est-ce arrivé? Je ne sais même pas par où commencer. Vous gérez cet endroit tout seul? Vous avez raison, mademoiselle Madine. Je nettoierai jamais ça tout seul. C'est impossible. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Respirez, monsieur Oshiro. Respirez bien. Ce n'est qu'un petit ménage de printemps. Enfin, pas si petit, mais je peux vous aider. Vous êtes trop aimable. Et je ne veux pas vous embêter avec ça. C'est une cause perdue.
C'est parti pour nettoyer. Hop. Donc il faut qu'on traverse ces salles et à la fin il y aura une partie nettoyée. Sachant qu'un peu à la manière de Psychonauts, ça représente... Oh non, non! J'avais oublié qu'il y avait une limite de temps. Après, c'est assez généreux, mais... Ça représente le désordre dans son esprit, en fait. La musique est vraiment sympa, jusque là, j'y avais joué alors que je pouvais pas mettre le son, donc... Vous pensez qu'il y avait un truc par là? Yes. Ok, je pensais qu'il se régénérait plus vite et qu'on pouvait utiliser ça pour... Oui, ad vitam aeternam, enfin pour restaurer ad vitam aeternam, mais non. Oh, j'avais pas vu ce truc. Probablement parce que je ne vais pas dans le même ordre que la dernière fois, du coup. Il y a des pièces qui s'étaient enlevées la dernière fois et qui sont là ici. Très sympa comme concept. Je dis, j'allais volontairement le faire, pas le faire dans le même ordre. Hop, on a rangé une partie. Du coup, ici, il y a moins de soucis. On va pouvoir trouver Monsieur Shiro quelque part. Non. Il faut continuer sur lui, sinon. Ah non, il faut lui parler à nouveau vu que là c'est fermé à nouveau. Très bien. Il est là. Je n'ai pas encore commencé que je me sens l'esprit déjà le plus léger. Ça c'est le pouvoir de la pensée positive. En fait, j'ai déjà fait un peu de ménage pour vous. Oh oui, merci mademoiselle Madine. Mais je vous en prie, reposez-vous et laissez personne s'en occuper. Car ils ne sont pas là pour perdre leur temps sur un ménage. Vous savez bien? Bien sûr, vous ne serez jamais plus reçu dans un meilleur hôtel, vous allez voir. Ouais, oh, j'en doute. Mais bon, soit, avançons. Continuer à avancer. Genre, je peux aller la chercher, mais ouais, c'est trop galère. Comme ça, voilà. Du coup, hop, deuxième nettoyé. Hello, monsieur Oshiro. C'est beaucoup plus joli ici. Pouvez-vous m'indiquer la sortie maintenant? Même mademoiselle Madine, vous avez à peine eu le temps d'apprécier un myriade de luxe que notre hôtel peut vous offrir. Nous aurons le temps de parler quand j'aurai fini le ménage. Je suis très occupé. C'est vrai, les jeunes n'ont plus aucun respect de nos jours. Comme vous voulez.
Théo, toi aussi tu es client ici? Madine, je suis trop contente de te voir là. Je raffole des mystères inquiétants, mais là ça devient trop réel. As-tu parlé à Monsieur Oshiro? Je crois qu'il aurait vraiment besoin d'aide. Tu crois? C'est un vieux cinglé. Je parie qu'il est en train de préparer à quoi ou cacher nos corps. Je vais ramper dans ce conduit. Il souffle de l'air froid qui vient de l'extérieur. Tiens! Monsieur Oshiro est perturbé, mais je crois pas qu'il nous veuille du mal. Il doit juste ranger ses désordres. Je vais aider. Madine, c'est très gentil, mais c'est dangereux. Faut qu'on sorte d'ici et qu'on appelle un spécialiste en vieux cinglé. On n'est pas préparé à ça. Je crois pouvoir communiquer avec lui. Vas-y, je te rejoindrai plus tard. Ah, t'es encore plus têtu que ma sœur. Je croyais pas ça possible. Bon, fais attention à toi. Merci Théo, je te retrouverai dehors. Et je me suis un peu trop cru en freestyle. Après, la première partie a été bien. Ok, ça passe nickel en fait. Tant pis pour la fraise. Oh, d'accord, ça faisait partie du fond. Très bien. Bon, on va essayer d'apprendre du coup. J'ai loupé, dommage. Et on a dernier. Parfait. Et maintenant tout devrait être propre. Oh, il y a quoi ici? Le papier ressort du désordre. Alors, il est malheureusement de ma responsabilité de vous informer que l'hôtel Station Céleste fermera jusqu'à nouvel ordre à la fin à cause de circonstances indépendantes. D'accord, donc ça a fermé et pourtant il nous dit que c'est ouvert. Il est juste délusionnel en fait. Ouais, il a des délusions. Bref. Allons le voir. Oh, je peux pas aller voir. Par contre, on a cette clé. Hey! Vous voilà! Vous avez vraiment un don pour disparaître. Bah, on fait le ménage. C'était dur, mais je me suis occupé de tout pour vous. L'hôtel Station Céleste vous présente ses remerciements pour votre aide, mademoiselle Madine. Il va sans dire que notre personnel allait s'occuper du désordre. Oh, certainement, oui. Quelle humiliation. Vous devez être impatiente de découvrir votre chambre. Il faut prendre l'ascenseur et vous la trouverez au bout du couloir. Oh, et puis flûte. Allons-y. Montrez-moi la suite présidentielle. Ça a l'air très bien. C'est ta dernière chance, Oshiro. Ne la perds pas maintenant. Aïe. Oh, sérieusement, le checkpoint? Bonjour Théo. Bon sang, c'est un vrai dédain ici. Comment ça va avec le 5D? J'ai aidé à nettoyer, mais il a fait son pauvre type avec moi. Il croit toujours qu'il va me convaincre de rester. Madine, sérieusement. On a une mauvaise idée, il est en aller-retour sur ce coup-là. Tu devrais sortir vite fait. Si je disparais maintenant, Monsieur Oshiro risque de s'effondrer, alors que je pourrais faire quelque chose de bien. Pour une fois. Oublie ton karma, l'ami. Je crois que ce mec va s'effondrer quoi qu'il arrive. Tu dois penser à ta sécurité. Ça va aller, Théo. Ouais, je savais que tu m'écouterais pas. On se retrouve dehors à la prisonnière. Oh, what? J'avais plus de boost ou... Ah, de dash.
Oh, cet endroit est quand même légèrement creepy, hein, qu'on se demande pas. Non, ça va être tellement agréable de prendre cette fraise. Et je sais pas comment j'ai eu, mais j'ai eu. What? Pourquoi ça a pas sauté? J'ai appuyé sur le bouton, mais bon. Soit. Et voilà, Oshiro, c'est ta dernière chance. Tu as déjà tout caché. Laissez une Kyo de faire le ménage à ta place. Elle ne restera jamais. Si, elle est toujours là. Il reste une chance. La suite présidentielle à Kyo, ça va sûrement impressionner. Reprends-toi, Oshiro. Calme-toi. Bon bah, super. Vous voilà, mademoiselle Madine. Suivez-moi vite, on y est presque. Bah oui, mais je peux plus. Donc ça confirme que c'est des trucs de son esprit, c'est... Oh, il fallait que je monte un petit peu. Wow. Faut que j'aille chercher un clé. Monter par là, mais ça mène à quoi en fait, très concrètement? Ça mène à un journal, très bien. Plusieurs dizaines d'années. Oh, il a fermé il y a plusieurs dizaines d'années, d'accord. Et il passe une dernière nuit à cet hôtel, sauf que la dernière nuit elle dure plus d'une nuit, je pense. Oh, j'avais jamais remarqué ça. Ah, où ça mène donc? Il y a l'air d'avoir un truc, mais je ne peux pas y accéder. Et ici, pareil, très bien, super. Oh, j'ai une fraise, deux fraises. Sérieusement, je peux juste pas mettre là-dessus ou quoi? Je sais même pas comment j'ai fait pour m'en sortir en vie, donc bon. On va juste remonter, je pense. Aïe. On a un truc. Ok, c'est pour débloquer la phase B. Allons-y. Est-ce que j'ai envie de me torturer? Je la garderai pour plus tard, par contre. Mauvais timing. Et bien ce remix subit. Nickel, phase B débloquée. Plus rapide quand même. Ok, je sais pas pourquoi j'avais cru que je pouvais passer, allez savoir. Ok. Toujours du mal avec ce saut là. Toujours. L'autre fois que j'ai fait,
fois 3 à gauche, une fois 3 à droite. Et on reprend. Nice. Faut juste pas se louper ici. Et je sais pas pourquoi j'ai dash comme ça. Si, je sais, parce que ça allait plus vite. Sauf que ça allait plus vite si c'est pour mourir. Nouveau sauvegarde à prévention routière. C'était un moyen assez bizarre de mourir, enfin pas un moyen mais un endroit. J'étais trop loin cette fois-ci. Je hais tellement ce saut. Pas celui où je viens de mourir, celui où j'ai fait la mort d'avant. Ok, ça aussi c'est nouveau. Voilà, suite présidentielle, encore un mort. Et voici notre suite présidentielle plusieurs fois primée. C'est vraiment la définition même du luxe rustique. Je vous laisse vous plonger dans toute sa majesté. Je comprends que ça puisse faire beaucoup d'un seul coup. Alors, qu'en pensez-vous? C'est beau. Les meubles doivent coûter cher, c'est très spacieux. Les couleurs sont élégantes. On voit que vous y consacrez beaucoup de travail. Je savais que vous seriez impressionné. Ouais. Je peux accéder au toit par ici? Espèce d'imbécile, t'es en train de perdre. Oh, j'avais oublié de vous dire. Les clients précieux comme vous peuvent bénéficier de nos meilleures chambres à moitié prix. Je veux pas rester. S'il vous plaît, mademoiselle Madeline, restez, je vous prie. Monsieur Oshiro, je t'avais déjà perdu beaucoup trop de temps. Oh oh, la voilà. Madeline, ma chère, oubliez ce loser. Loser? Vous êtes en plein nid, vieil homme. Cet hôtel est à tout dit. Personne ne voudrait jamais rester ici. Il fallait qu'elle dise. Mais elle ne pense pas ce qu'elle dit. Je suis très occupé. Veuillez partir, mademoiselle Madine. Allez, mademoiselle Madine. Tu l'as entendu. Où en serais-tu sans moi? Malheureusement, on est obligé d'assurer. Pourquoi t'as dit que mon bel hôtel était un taulier? Bon, parce que c'est un taulier, honnêtement, mais... J'ai cru qu'on ne se débarrasserait jamais de lui. Tu me revaudras ça. Ajoute-le à ta liste. Laisse-moi tranquille. Je te croyais pourtant tellement déterminé à poursuivre ta sortie. Et là, tout d'un coup, tu te ressembles en thérapeute pour sangler. Pourquoi tu ne t'en vas pas? Oh oh. Mademoiselle Madine, avant que vous ne partiez, je dois vous poser une question. Pourquoi avoir été si aimable avec moi pour me quitter maintenant? Qu'ai-je fait de mal? Oh, arrêtez un peu. Vous ne comprenez toujours pas? Elle n'est des gens que pour satisfaire son ego démesuré. Elle ne s'est jamais souciée de vous. Tais-toi! Je voulais juste t'aider. Vous êtes pitoyables tous les deux. Pitoyables? Vous n'êtes venus ici que pour m'humilier. J'en ai fini de ramper devant vous. Et c'est reparti! Allez! Ah oui, c'est vrai que lui, il fait ça. Hop. Donc faut éviter quand il fait ça, logique. Hop. Oh, j'ai pas vu. J'ai cru qu'il y avait rien devant. My bad. Hop. Oh oh. Ah, trop bas. J'ai
J'ai hésité entre diagonale et juste vers la droite, c'est pour ça. Hop, pour ça. Hop. Oh oh, j'ai pas rechargé le dash, j'aurais dû. Ah là, c'est beaucoup plus simple avec le dash. Oh, trop tôt. Boum. J'adore ça. Le problème c'est que malheureusement ça ne change rien, il respawn quand même. C'est un peu dommage ça. Faut que je continue à avancer même s'il est juste à côté. Voilà, sinon ça passe aussi comme ça. Non, j'étais trop bas. Aïe. Sinon ça marche aussi comme ça. J'ai juste ma chair en fait. Pas plus pour la fraise. C'est un peu aléatoire parfois le temps entre deux charges. C'est bien, ça rend le truc plus difficile. Enfin, concrètement, quand je dois faire tout cet écran, c'est déjà assez dur. Vas-y, ça arrête jamais cet écran. Non! Waouh! Heureusement qu'on peut s'accroupir. Monsieur Oshio, arrêtez! Je voulais juste aider! Wow! Bien joué! J'ai décidé de fermer l'hôtel pour réparation. Il y a des fuites dans la plomberie du deuxième étage. La bibliothèque, c'est un vrai chaos. Sans parler du trou dans le plafond de la suite présidentielle. Je vous en prie, laissez-moi seul. Et avec ça, nous avons fini le chapitre. On a la phase B, 86 morts quand même, waouh.